200 mètres, tournez à gauche. Tournez à gauche. À 100 mètres, tournez à droite. Point, prenez la première sortie. À 400 mètres, tournez à droite. Tournez à droite. À 200 mètres, tournez à droite. Tournez à droite. À 400 mètres, tournez à droite. Tournez à droite. À 400 mètres, tournez à droite. Tournez à droite.
400 mètres, tournez à gauche. Tournez à gauche. Vous avez atteint votre destination. Adorable petite villa en bord de mer. La maison offre un accès direct à la plage, mais si tu vas te baigner, fais gaffe, d'accord? Tu ne serais pas le premier pilote que je repêche en mer, ou dans un lac, ou même dans une fontaine. Je m'occupe des papiers. Tu ne mets pas les pieds dans l'eau avant que je sois de retour. À 100 mètres, prenez le virage serré à gauche. Prenez la deuxième sortie. Faites demi-tour dès que possible. À 400 mètres, vous arriverez à destination. La sole a salé son lit, mais la mère a lavé le lit que la sole a salé. Oh, désolée, je suis super contente parce qu'un des pilotes a acheté un cottage en bord de mer. Je sais pas pourquoi, mais ça me fait penser à cette phrase. Bon, je recommencerai plus, je vous le promets. Qu'est-ce qu'on a pour la suite? La sole a salé. Madaka. Merci d'être là. T'inquiète. On n'en est pas arrivé au moment où il faut affronter son maître. Non, l'idée serait plutôt de combiner nos pouvoirs et de montrer à Horizon le sens du mot prouesse. Et pour ça, il va te falloir des caisses de haute volée. Ça, c'est ma 918 Spider. J'adore ma 918 Spider. Sportive hybride, légère, puissante, accélération monstrueuse. Il faut un certain temps pour l'apprivoiser, mais après, wouhou! Tu veux faire un tour? Je me suis arrangé pour qu'il y ait de la circulation. Montre-moi ce que tu veux.
ça, c'est ça. Bien joué. Spider, c'était juste énorme. Mais tu peux pas partir avec, c'est la mienne. On s'appelle bientôt, on ira faire du hors-piste. En fait, avec les prouesses, peu importe le terrain. Sur la route ou en hors-piste, ce qui compte, c'est qu'on ne te quitte pas des yeux. Et pour ça, il faut faire les chaînes les plus longues possibles, ok? Tu vas prendre mon Audisport Quattro et essayer de capter mon attention le plus longtemps possible. Et on sait que j'ai une capacité de concentration réduite. Drift, décolle, défonce une barrière ou deux, fais tout ce que tu veux. Si je regarde, Horizon te regardera. Je connais 444 chevaux qui ont envie de gambader dans la nature. Oh yes, on y est! Ramène-moi à la grande époque du groupe B.
mal, pas mal. Mais je sais qu'elle peut faire mieux que ça. Allez! Je viens d'avoir un coup de fil du festival. Tout le monde a les yeux rivés sur toi. Bien joué. Je vais préparer notre prochaine démonstration et... est-ce que je peux récupérer mon Audi ? Survirer, c'est une prouesse. Tourner au frein à main, c'est une prouesse. Tu sais ce qu'il y a d'autre ? Garder le pied au plancher quand la vitesse te fait des vagues sur les joues. Bien, je voudrais te montrer un truc. Bugatti EB110 Supersport. Avec 4 roues motrices, ça tient la route. Mais donne-lui une belle ligne droite et... Enfin, tu verras. Je m'occupe de l'itinéraire. Direction l'autoroute. Rond-point, prenez la première sortie. Faites demi-tour dès que possible. Demi-tour dès que possible. Tu sais ce qui est cool à haute vitesse ? Perdre l'adhérence. Juste un tout petit peu. Faites demi-tour dès que possible. Demi-tour dès que possible. Au rond-point, prenez la deuxième sortie. Allez, accélère! On n'a pas encore franchi la ligne d'arrivée. Je te l'avais pas dit? T'écrases l'accélérateur, tu clignes des yeux et t'es déjà presque à Édimbourg. Tu peux la ramener maintenant. Tu m'appelles bientôt ?
Bon, l'autoroute, c'est fait. Maintenant, on va se faire une petite balade à la campagne avec quelque chose de plus écologique. C'est ma BMW i8. Je l'ai achetée il y a quelques années à Francfort. J'étais censé faire du tourisme avec ma grand-mère, mais je me suis éclipsé pour aller au salon auto. Tu lui dis rien, hein? Ça va être plus technique cette fois. Montre-leur comment un pilote horizon joue du frein à main. Au rond-point, prenez la troisième sortie. Cette voiture encaissera sans broncher tout ce que tu lui demanderas. Vas-y! T'inquiète, l'assurance rembourse tous les trucs que tu détruis. Enfin, je crois. Pilotage de fou. Et tu sais ce qui serait encore plus fou? Que tu ramènes ma BM et qu'on la branche. T'as vu? Ça marche? Nos disciples s'éclatent sur tout le festival. L'heure est venue pour les maîtres de leur enseigner la prouesse la plus importante de toutes.
le vol, planer. J'ai la voiture parfaite pour ça. Un Scoot 800A. Le premier SUV et aujourd'hui encore le meilleur si tu veux mon avis. Mais c'est quand même mon avis. Bienvenue à Mud Kickers, un parc d'attractions tout-terrain de 260 hectares. Du bonheur à l'état pur. Sur la piste si tu peux. Les tracés sont plutôt sympas ici. Bienvenue à Mud Kickers, un parc d'attractions tout-terrain de 260 hectares. Du bonheur à l'état pur. Sur la piste si tu peux. Les tracés sont plutôt sympas ici.
Rien de tel qu'une bonne journée à Mud Kickers.
tu sens? Ouais, tu m'étonnes. Tu peux me rendre les clés maintenant. Allez, et rends-les-moi. Tu volais le chien. Allez, à plus tard. T'as un talent fou, c'est clair. Mais ce genre de pilotage, ça se résume à trois choses. Appui, suspension et adhérence. Voici les clés de mon Aventador. Comment j'arrive à m'offrir tout ça? Ouais, ma grand-mère aussi me le demande. La route de forêt est magnifique en cette saison. Allez, enfonce l'accélérateur. Accélération, adhérence, tenue de route, vas-y, fonce! À Horizon ne peut pas s'offrir une Aventador, mais ça n'empêche pas de montrer comment elle se pilote. Et pour ceux qui ont une Aventador, c'est tout bénef.
L'autre fois, je t'ai dit que le scout était le meilleur tout-terrain jamais produit, tu te souviens? Eh ben, j'ai peut-être trouvé encore mieux. La Jeep Trail 4 de 2016. Suspension renforcée, arceau intégral et vise un peu ses pneus. Oh, j'arrive pas à me décider. Tu veux bien faire un tour avec pour m'aider à choisir? Allez, montre-moi ce que tu peux faire. J'ai besoin d'un deuxième avis. C'est mieux que le scout ou pas? Allez, j'ai besoin d'être fixé! C'est du dérapage. Oh, j'adore cette caisse. Je l'adore. Pas mal, pas mal. Bon, j'ai fait mon choix. Je me lance. Je vais m'acheter les deux, finalement. Pouh, je me sens mieux. J'aurais pas pu y arriver sans toi. Merci. On retourne sur l'asphalte. Route goudronnée, autoroute, surface dure. Et cette fois, tu vas pouvoir avaler la piste avec cette bombe. Ma Viper GTS ACR. Elle est homologuée pour la route, mais je me demande comment. Ça va faire une vidéo de malade. Enfin, si ça te va. Je m'occupe du nombre de vues. Toi, tu fais le reste. Thank you.
évite les glissières et les autres voitures, tout en souplesse. Génial! J'ai rarement l'occasion de prendre ma Viper, mais maintenant je peux sortir mon portable et te regarder la piloter n'importe quand. Je vais pas m'en priver. Ces coups de pub et ces vues sur Internet, c'est bien. Mais ça vaut pas le sentiment qu'on a quand on fait des prouesses devant la foule. Tu trouves pas? Il est temps de revenir aux sources. Voici ma GTR Black Edition. Je voudrais que tu l'emmènes au festival et que tu leur en mettes plein la vue. Parce que c'est ça, notre truc. Prenez la troisième sortie.
400 mètres, tournez à droite. Tournez à droite. À 400 mètres, tournez à gauche. Allez, 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 fonce! C'est le bouquet final! Fonce, voyez! Tournez à gauche. Demi-tour dès que possible. Pensé de tes efforts et de ton talent, je me suis dit que tu pourrais garder ma voiture. Je plaisantais, j'y tiens trop. En revanche, tu peux venir emprunter celle que tu veux quand tu veux. Si, si, ça me fait plaisir. Il est comme un fou. Bon, d'accord, il est toujours comme ça. Mais s'il est heureux, et toi aussi, c'est que j'ai bien fait mon boulot. Je vous remettrai tous les deux en contact bientôt. Au rond-point, prenez la troisième sortie. Faites demi-tour dès que possible.
Pulse en direct d'Horizon UK. Et mon invité n'est autre que Jamin Sharp. Hey, super content d'être ici. Tu cherches un peu de calme après toutes ces incroyables courses de rue? Chut, ça va pas te dire ça à la radio. Kira va te tuer. Arrête, Kira me fera rien du tout. La preuve, elle a absolument rien fait quand je lui ai dit que tu venais parler du roi des prouesses et de ton nouveau pilote préféré. Elle est au courant? Bien sûr qu'elle est au courant, tu sais bien que rien ne lui échappe sur ce festival, franchement. Bah alors, pourquoi je me donne tant de mal à cacher tout ça? Je sais pas du tout, mais c'est vraiment mignon, Jamin. Restez avec Amy, voici un autre titre. Vous avez atteint votre destination. Contente de te voir. On tourne un documentaire sur la culture automobile au Royaume-Uni et cherche un deuxième pilote. Vu ta popularité, ce serait génial que tu acceptes de participer. C'est facile, tu conduis, je raconte l'histoire. Allez, on y va. Aston Martin, McLaren, Bentley. La Grande-Bretagne est riche de plus d'un siècle d'excellence automobile. Je suis Rebecca Dawson. Bienvenue dans British Racing Green, le documentaire qui retrace cette histoire. Avec sa mécanique britannique et son design italien, l'Aston Martin DB5 Vantage est l'archétype de la voiture de grand tourisme des années 1960. Vantage est doté de carburateurs à aspiration latérale et d'un arbre à cames optimisé qui lui permettent d'atteindre 260 km/h en 1964. Les lignes épurées de sa carrosserie Superleggera, ses sièges inclinables et ses tapis de sol en laine en font une voiture à la fois rapide et luxueuse. Est la fondatrice de la lignée des DB. Les suivantes apporteront chacune leur lot d'amélioration, mais aucune n'atteindra jamais la perfection emblématique de la DB5 Vantage. À 400 mètres, tournez à gauche. Tournez à gauche. Malgré sa beauté et sa perfection mécanique, seules 65 unités sont produites. Posséder une de ces merveilles, c'est posséder un morceau de l'histoire britannique. À 200 mètres, vous arriverez à destination. La DB5 sera immortalisée au cinéma dans sa robe grise et deviendra l'Aston Martin par excellence. Cependant, en 2016,
Une nouvelle DB est présentée, marquant le début du deuxième centenaire d'Aston Martin. La DB11 est la première Aston Martin de série à moteur suralimenté. Mais est-elle digne de son aîné ? Pour faire bref, oui, elle est racée, vive, agile et peut-être dotée du meilleur châssis de GT au monde. Et puis, écoutez ça. Capable d'atteindre 100 km/h en 3 secondes 5, le V12 biturbo de 5,2 litres de la DB11 affiche une vitesse de pointe de 320 km/h. La DB11 n'est pas la voiture la plus rapide du monde, mais ce n'est pas sa prétention. C'est un concentré de luxe, de sophistication et de confort. C'est une Aston Martin. Spoiler avant de la DB11 canalise le flux d'air pour créer un appui aérodynamique tout en préservant les lignes épurées de la voiture. C'est génial! Par-dessus tout, la DB11 semble annoncer qu'Aston Martin est reparti pour un siècle de belles voitures. Et j'ai hâte de voir ça! Aussi belles soient-elles, les Aston Martin ne sont qu'une petite partie des voitures produites au Royaume-Uni. Découvrons les autres. Ça commence à prendre forme. On va un peu changer de rythme. Le prochain segment sera dédié à Land Rover et on va commencer avec le type 3. Land Rover, la marque de SUV britannique. À ses débuts, elle produisait des véhicules purement utilitaires. Robustes, fiables, capables de passer partout. À 400 mètres, tournez à gauche. C'est le Land Rover Type 3 qui amorcera le changement de cap. Nous allons voir en quoi exactement. Tournez à gauche. Les Land Rover accomplissent toutes sortes de missions. Ils sont générateurs, tracteurs, ambulances. Ils apportent la paix et des soins dans les zones sinistrées. Ils servent même de bus. Plus d'un demi-million de séries 3 ont été produits. Et plus de 70% d'entre eux roulent encore aujourd'hui.
ils ont été largement exportés et même produits à l'étranger. En Belgique, en Afrique du Sud, en Australie et même en Nouvelle-Zélande. Outre son châssis robuste et sa conception typique de la marque, le Land Rover Type 3 est le premier à proposer aux acheteurs de personnaliser son habitacle avec des protections d'assises et des rangements. La tendance se confirme et en 1982, Land Rover sort le Type 3 Quantispec qui offre aux particuliers la possibilité d'opter pour des raffinements tels que les sièges en tissu, l'insonorisation et les vitres teintées. L'esprit de la marque s'affirme et le futur du Land Rover commence à prendre forme. En plissant les yeux, on peut déjà entreapercevoir les lignes du premier DSUV, le Range Rover. Le Série 3 n'est pas le plus rapide pour gravir les côtes, mais il n'en est pas une qui lui résiste. Avec un bon treuil, il vous emmènera même en haut d'un barrage. En 1978, un Série 3 a été spécialement construit pour Sa Majesté Elisabeth II. Il n'avait que 3000 km au compteur quand il a été vendu aux enchères. Et il était en parfait état. Normal. La reine a suivi une formation en mécanique dans les années 1940. Elle est sans doute la seule tête couronnée capable de démonter et de remonter un moteur. À 100 mètres, tournez à gauche. À 200 mètres, vous arriverez à destination. Le Range Rover ne sera pas seul. Discovery, Defender, Freelander. Autant de véhicules utilitaires sophistiqués offrant un réel agrément de conduite. Pourtant, aucun ne remplacera le Série 3. Il ne joue pas dans la même catégorie. Le Type 3 peut être vu comme l'ancêtre des SUV. Une évolution d'un design qui aboutirait à terme à ceci. Le Bowler Nemesis, un véhicule de course tout-terrain devenu un SUV de série, le Nemesis EXR. Moteur Land Rover Jaguar suralimenté de 5 litres, châssis en fibre de carbone, arceau de sécurité intégrale, sa calandre et ses optiques avant et arrière sont celles d'un Range Rover. Le Land Rover Série 3 laissait tomber son côté fonctionnel, c'est à ça qu'il ressemblerait. Et c'est magnifique. C'est une supercar tout-terrain, ni plus ni moins.
Et c'est ce qu'on obtient quand on développe un SUV avec l'ADN d'un Land Rover. J'espère que tu t'amuses. Moi, oui. C'est cool de pouvoir se concentrer sur la narration pendant que quelqu'un tient le volant. On passe à la suite. Cette fois, on va parler de Lotus. Comme souvent dans l'automobile britannique, l'histoire de Lotus Engineering Ltd. commence au fond d'une grange. Les premières Lotus sont vendues en kit, à monter soi-même. À partir de 1962, la marque commence à assembler ses propres voitures. L'élan Sprint affiche les ambitions du constructeur. Construite autour d'une structure en acier avec un châssis en fibre de verre, la Sprint ne pèse que 687 kg. Sur la route, ce poids contenu se traduit par une agilité et des performances exceptionnelles. Le designer Colin Chapman est connu pour avoir déclaré « Ajouter de la puissance vous rend plus rapide en ligne droite. Enlever du poids vous rend plus rapide partout. » Il avait raison. À 100 mètres, tournez à droite. À 100 mètres, tournez à gauche. Considérée par beaucoup comme l'une des meilleures sportives des années 60, l'élan a souvent été prise pour exemple, inspirant des chefs-d'œuvre comme la Mazda MX-5. L'élan a toute l'énergie, le style et la légèreté qu'on attend d'elle. Elle est rapide et fun à piloter. C'est sans doute de là qu'elle tient son nom. L'élan Sprint est un succès commercial et technique pour Lotus, validant l'approche du constructeur en termes de design et donnant naissance à toute une famille de roadsters légers et agiles. Ce qui nous amène à elle, la Lotus Exige. Certes, elle est beaucoup plus lourde que l'élan, mais elle est aussi plus rapide. Beaucoup, beaucoup plus rapide. Une simple pression sur la pédale et l'Exige accélère instantanément, sans relâche, comme il se doit. Avec un 0 à 100 expédié en 3 secondes 8 et une vitesse de pointe de 270 km/h avant amélioration et réglage, l'Exige est radicale. De plus, l'absence de direction assistée permet de mieux sentir la route. Les sensations sont grisantes, mais la balade requiert toute l'attention du pilote. À 400 mètres, tournez à gauche. Tournez à gauche. En un mot, Lotus, c'est une expérience. Des voitures exigeantes, des voitures sans compromis. Des voitures qui savent vous récompenser quand vous les pilotez avec respect.
400 mètres, vous arriverez à destination. Enfin, avec le lancement supposé de deux modèles en 2020, Lotus semble déterminé à repousser encore les limites de l'expérience de l'automobile sportive. T'as déjà fait du rallye? Je plaisante. On t'a déjà tous vu à l'œuvre. On tourne le prochain segment sur site. Tu comprendras pourquoi quand tu arriveras là-bas. Mètres, vous arriverez à destination. Si Ford est tout ce qu'il y a de plus américain, la Ford Escort, elle, est britannique. Mais au-delà de ça, l'Escort deviendra pour beaucoup une icône du groupe B. Dans les années 70, Ford crée ses propres championnats afin de dénicher des pilotes capables de courir au volant de voitures comme la RS 1800. Née pour le rallye, elle est dotée d'un puissant moteur Cosworth BDE à injection de 1790 cm3 . La réglementation exigeant que toutes les voitures engagées soient de série, Ford en produit 200 unités. RS 1800 remporte victoire sur victoire dans le monde du rallye, sur presque tous les continents et sur tous les types de surfaces imaginables. Cette voiture est tout simplement imbattable. La RS 1800 rapporte à Ford 17 victoires en championnat du monde des rallyes. Naturellement, Ford décide donc d'en créer une meilleure. C'est ainsi que naît la RS200, une voiture de rallye pure et dure, conçue dans l'unique but de dominer le groupe B.
Mu par un moteur Ford Cosworth BDT d'1,8 litre suralimenté et une transmission intégrale, la RS200 est également pourvue de la meilleure suspension de l'époque. Son châssis Reliant est en fibre de verre et son look emblématique, le fruit d'un assemblage de diverses pièces d'origine Ford. Malgré un fort potentiel, le délai du turbo à bas régime et le rapport poids-puissance élevé de la machine l'empêcheront de dépasser la troisième place. La carrière en rallye de la RS200 s'achève au milieu des années 80 avec la fin du groupe B. Heureusement, Ford en produira 200 pour son homologation en groupe B. Il est donc encore possible d'en trouver, avec de la chance. J'aime vraiment cette voiture. Enfin, je ne voudrais pas la piloter trop longtemps. Glisse-toi derrière le volant et montre-moi ce qu'elle a dans le ventre. Je doute qu'elle soit rapide, mais on ne sait jamais. La Peel P50 a la particularité d'être la plus petite voiture de série au monde. C'est une micro-voiture à une porte, dotée d'un moteur refroidi par air de 42 cm3, capable de la propulser furieusement à 60 km/h et d'une poignée, permettant de la prendre avec soi une fois arrivée au bureau. Soulignons qu'il s'agit là du modèle de production. Le prototype n'avait qu'une roue à l'avant. Qui a pu penser que ce serait une bonne idée ? En 2010, la production de la petite voiture reprend à Sutton-in-Ashfield. Ceux qui rêvaient d'en posséder une version moderne sont désormais servis. Une voiture qui avance avec de l'espace pour les jambes, ça te tente? Cette section raconte comment McLaren a créé sa première voiture pour la route. Ça devrait te plaire. La route et la piste sont deux mondes totalement différents. Pourtant, McLaren a voulu relever le défi de les réunir. En 1988, le constructeur entreprend de créer la meilleure sportive que le monde ait jamais vue. En 1993, il atteint son objectif avec la fabuleuse F1. 106 seront produites, toutes versions confondues. Et elle reste aujourd'hui encore une des meilleures voitures de route jamais conçues.
La F1 n'est pas suralimentée. Un turbo aurait nui à l'expérience de pilotage, accru la complexité mécanique et causé un délai à l'accélération. La F1 est une voiture à moteur atmosphérique, l'une des plus rapides au monde. Tout dans cette voiture est novateur. De sa monocoque en fibre de carbone à la position centrale du conducteur. Pour concevoir la F1, les ingénieurs de McLaren n'ont pas suivi les règles. Ils les ont réécrites. Le châssis monocoque de la F1 est extrêmement léger. 100 kg seulement. Le problème, c'est que la fibre de carbone et la fibre de verre ne sont pas de bons isolants. Pour y pallier, McLaren décide donc de revêtir le compartiment moteur d'une couche d'or. En 1998, le prototype de la F1 établit le record mondial de la voiture de série la plus rapide. Un record qui tiendra jusqu'à ce que la Koenigsegg CCR la détrône 20 ans plus tard. La course fait tellement partie intégrante de l'héritage McLaren que quand ils ont présenté cette voiture au Mans en 1995, face à des véhicules conçus spécifiquement pour la course sur circuit, ils ont quand même gagné. Lorsqu'on signe un chef-d'œuvre comme la F1, que peut-on faire ensuite? Eh bien, on efface tout et on recommence, en faisant encore mieux. On obtient alors la McLaren P1, une sportive hybride électrique plus aboutie à tous les niveaux que la F1. La P1 GTR atteint les 100 km/h en 2 secondes 4. C'est 7 dixièmes de seconde de mieux que la F1. Une éternité dans le monde des supercars. La voiture doit ses performances stratosphériques à un V8 biturbo couplé à un moteur électrique ECU McLaren et à un système d'assistance électrique instantanée IPAS. Et le terme instantané n'est pas usurpé. Les problèmes de délai du turbo, McLaren y remédie grâce à la motorisation hybride. Le temps que les turbos se chargent, le moteur électrique entraîne les roues. Aucun délai, que du couple. En tant qu'hybride, la voiture est pourvue d'une autonomie en tout électrique. Celle-ci est de 10 km, un peu plus en descente. J'ai un faible pour les voitures qui sortent de nulle part. Alex t'a parlé du concours de la meilleure surprise automobile qu'on avait organisé dans le Colorado. Personne n'a vu venir la Sunbeam. Lotus a toujours été friand de préparation. En plus de concevoir ses propres supercars, le constructeur améliore également les modèles d'autres fabricants. La Lotus Carlton est une de ses préparations. En partant d'une respectable berline Vauxhall, Lotus met au point une vraie supercar. La voiture arbore quelques signes extérieurs de vitesse, comme ses ailes élargies par exemple. Mais c'est sous le capot que la magie opère véritablement. La cylindrée du moteur est portée à 3,6 litres et un double turbo Garrett T25 y est greffé. Le bloc moteur est renforcé et un nouveau vilebrequin est forgé par Opel, puis usiné en Allemagne.
point, prenez la troisième sortie. Les roues sont élargies et chaussées des pneus de la Lotus Esprit. Pour pallier au problème du changement de carrossage, la suspension adaptative de l'Opel Senator est reprise. La seule modification qu'il n'ait pas apportée est un limiteur de vitesse. Le résultat de toutes ces opérations est la Lotus Carlton, ou type 104 chez Lotus. Une supercar atteignant 285 km/h déguisée en berline familiale. Les 950 unités produites deviendront des voitures de collection moderne. Avec la Carlton, Lotus démontre comment changer une berline en supercar, mais ce n'est pas la seule transformation de la marque. En 1979, Chrysler demande à Lotus de créer une version rallye de la Sunbeam, sa compacte trois portes. Comme vous vous en doutez, le constructeur relève le défi avec joie. Lotus modifie la petite propulsion de fond en comble. La suspension est raffermie, les barres anti-roulis renforcées et le tunnel de transmission est élargi. Ses performances sont accrues grâce à une version 2,2 litres du moteur 4 cylindres de la Lotus 911 qui délivre pas moins de 250 chevaux contre 105 à l'origine. Impressionnant. La Lotus Sunbeam est présentée au public en 1979 à Genève et fait l'unanimité auprès de la presse spécialisée. Est également au rendez-vous en compétition, puisqu'en 1980, Henri Toivonen remporte à son volant le 29e rallye lombard de Grande-Bretagne. On se demanderait presque si Lotus ne devrait pas réaliser plus de transformations. Mais la question serait idiote. Bien sûr que oui. D'ailleurs, je les appelle tout de suite. Je pense sincèrement qu'elles font partie des plus belles voitures au monde. Et l'histoire de leur origine est très britannique. Allez, monte à bord et occupons-nous de ce segment. Jaguar fait partie de mes chouchous.
La marque a été fondée il y a presque 100 ans, ce qui ne nous rajeunit pas, et fabriquait au départ des sidecars pour moto. Mais c'est cette voiture qui a marqué les esprits. L'E-Type de 1961. Lorsqu'il la voit, Enzo Ferrari lui-même la qualifie de plus belle voiture au monde. Ce n'est pas rien. Et il n'est pas le seul à l'admirer. La voiture remporte un succès phénoménal. On la voit dans des films, des bandes dessinées, des jeux et même des séries télé. Contrairement à d'autres modèles de la marque, l'E-Type n'est pas seulement belle. Elle est aussi légère et rapide. Elle peut atteindre 245 km/h et s'arrêter grâce à un freinage intégral innovant supérieur à ce que proposent alors Ferrari, Porsche, Mercedes-Benz. Elle est également robuste et arbore un design inspiré de la Type D, trois fois victorieuse aux 24 heures du Mans. Au rond-point, prenez la deuxième sortie. Tout propriétaire de Type E vous dira que le secret de leur fiabilité réside dans le fait de les conduire régulièrement, comme s'il fallait une excuse. Environ 2500 unités seront produites. On en croise souvent dans les salons auto et elles sont étonnamment abordables. Une Jaguar presque parfaite en somme. L'E-Type succède à la D-Type, victorieuse au Mans. Mais à quoi ressemblerait-elle si Jaguar la dessinait aujourd'hui? En 2013, Jaguar répond à cette question avec la F-Type Project 7, descendante spirituelle de l'E-Type, conçue pour être la Jaguar la plus pure et la plus satisfaisante jamais créée. La voiture affiche fièrement son héritage en reprenant les courbes de la Type D et sa bosse aérodynamique derrière le siège conducteur. Cependant, comme la Type E, elle n'est pas que sexy. Grâce à son V8 de 5 litres à compresseur et à sa carrosserie en aluminium, elle est extrêmement rapide. 0 à 100 km/h en 3 secondes 8 et 300 km/h en vitesse de pointe. Vous vous dites que le design d'une telle voiture a dû faire l'objet d'une attention toute particulière. Eh bien, en fait, le designer César Pierry l'a dessinée un vendredi pendant une pause. Le directeur du design de Jaguar, Yann Callum, aperçoit le croquis sur l'écran de César au cours d'une réunion et il lui demande de quoi il s'agit. Vous connaissez la suite. ‎250 Project 7 sont produites pour succéder à l'E-Type et célébrer les victoires de Jaguar au Mans. Faites demi-tour dès que possible. Je crois qu'on peut dire, quelle chance que César ait aimé griffonner pendant son temps libre.
On a bientôt terminé. Mais on a gardé le meilleur pour la fin. Une séance de rallye dans la plus britannique des voitures. Monte, attache-toi et mets les gaz. Il y a une voiture produite en Grande-Bretagne qui est, à juste titre, considérée comme l'une des machines les plus marquantes du siècle. À 100 mètres, tournez à gauche. C'est une petite citadine, étonnamment spacieuse, à moteur transversal. Une icône de la culture pop. Elle a été construite sur tous les continents pourvue d'usines d'assemblage. C'est la Mini. La Mini Cooper S est conçue pour la performance. Cylindrée accrue, double carburateur, frein avant à disque, cette petite bombinette remportera plus de 30 victoires en compétition dans les années 60 et 70. En 1964, la Mini Cooper S numéro 37 de Paddy Hopkirk et Henri Lidon remporte la victoire au rallye de Monte Carlo. Ce sera la dernière fois qu'un équipage 100% britannique gagnera cette épreuve. Mais ce ne serait pas la dernière fois qu'une Mini remporterait le rallye de Monte Carlo. En 1966, les Mini raflent tout et s'emparent des trois premières places du classement général avant d'être malheureusement disqualifiés pour un simple défaut d'éclairage. En 1999, le trophée de la voiture du siècle est décerné à l'automobile la plus influente du XXe siècle. La Mini termine deuxième, derrière le modèle T de Ford. Ça peut se comprendre. 5,3 millions de Mini seront vendus, ce qui en fait la plus populaire des voitures britanniques. Puis, en 2000, BMW reprend la production de la Mini, ramenant à la vie la marque emblématique. Si la Mini des années 60 visait les routes du Monte Carlo, la Countryman X-Red a quant à elle des ambitions un peu plus brutes. Les déserts et terrains accidentés du Dakar pour commencer. Un mauvais esprit a dit un jour que la seule chose Mini dans ce monstre était son accélérateur. C'est un peu hors sujet, à mon sens. La Countryman X-Red est évidemment plus grande que la Mini Cooper. Une étape du Dakar requiert littéralement des tonnes de matériel. On peut la voir comme un char. Elle fait autant de bruit, d'ailleurs. La division X-Red de Mini entreprend de construire cette machine avec un seul objectif en tête, remporter le Dakar. Et elle le fait chaque année, de 2012 à 2015. À 400 mètres, tournez à droite. Elle est conçue pour rouler pendant 2 semaines dans des déserts, et sur des terrains difficiles, à 5000 mètres d'altitude. Et elle se comporte toujours comme une compacte sur une belle route bien lisse. Les propriétaires vont et viennent. L'esprit de la Mini ne dépend pas de la personne qui détient les clés de la boutique. Je suis sûre que les ailes de la marque vont battre pendant encore un siècle au moins. Ah, un vrai morceau d'histoire. Bentley au Mans dans les années 1930.
Des pilotes gentlemen, un pilotage épique et un de mes plus grands héros. Prends bien soin de ces voitures, par contre. C'est les miennes. Voici Bentley, une société fondée en 1919 à Cricklewood, au nord de Londres, et achetée par Rolls-Royce dans les années 30. Une marque qui évoque à la fois le luxe et la compétition. Peut-être celle qui illustre le mieux ces deux pôles en Grande-Bretagne. Pendant presque 100 ans, chaque Bentley a été minutieusement produite à la main. Alors, au début du 21e siècle, l'annonce du premier modèle de série du constructeur soulève bien des questions. Cette voiture est la Continental GT, une machine de grand tourisme, élégante, alliant pédigré en compétition, style raffiné et puissance colossale. Le passage à la production de masse n'entache en rien l'expérience Bentley. La Continental Supersport de 2017 est réactive, rapide et superbement conçue. Avec sa transmission intégrale, ses éléments de carrosserie en fibre de carbone et ses jupes latérales, elle est la voiture haute performance la plus aboutie de la marque. Mais Bentley, c'est avant tout la compétition et la Continental n'échappe pas à la règle. En 2007, une Continental Speed GT bat le record de vitesse de Bugatti sur une portion gelée de la mer Baltique. Puis, en 2011, elle bat son propre record en atteignant 330 km/h sur la glace, à l'aller et au retour. Chez Bentley, même les somptueuses voitures de grand tourisme sont conçues pour la performance. Aujourd'hui, Bentley est synonyme de modernité, de luxe et d'élégance. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Il y a 100 ans, c'était une toute autre histoire. Bentley était associé au Mans. En 1930, l'excentrique patronne d'écurie Dorothy Paget finance une Bentley des plus singulières pour la course. Un chef-d'œuvre propulsé par un moteur de 4,5 litres, suralimenté et piloté par Sir Henry Birkin, alias Bentley Boy. Elle signe le record du tour, mais ne franchit pas la ligne d'arrivée. Ce fut une année palpitante au Mans. Sir Henry a héroïquement sacrifié sa propre course pour pousser Rudolf Caracciola et sa Mercedes 7 litres à l'abandon. Mais grâce à ça, il a permis au Bentley Speed 6 de remporter les deux premières places. Un vrai pilote gentleman. Sir Henry savait qu'il n'avait rien à prouver. En 1929, l'aventurière Marie-Victor Bruce avait déjà piloté la résolument moderne Bentley 4,5 litres à Montlhéry, établissant des records de distance, de vitesse et d'endurance. Contrariée par ses performances, Ettore Bugatti qualifie la Bentley de « camion le plus rapide du monde ». Mais la Bentley Blower a eu le dernier mot. En 2012, elle a été vendue aux enchères pour plus de 4,5 millions d'euros, soit le prix d'une Veyron et d'un camion de course. Rien que ça.
comme je leur ai dit, on peut pas tourner un film sur l'histoire automobile sans que tu sois dedans. Je te ferai signe s'ils ont encore besoin de toi. Faites demi-tour dès que possible. À 200 mètres, tournez à gauche. Tournez à gauche. À 400 mètres, tournez à gauche. À gauche. À 200 mètres, tournez à gauche. Tournez à gauche. Content de te revoir. Cette prochaine cascade va nécessiter maîtrise, finesse et... inertie. Je te confie la voiture pour que tu puisses la prendre en main. Ne les gratigne pas trop, d'accord? Elle doit être toute belle pour la prise, dès qu'on sera prêt. À 400 mètres, tournez à gauche. Tournez à gauche. À 400 mètres, tournez à droite. Tournez à droite. À 200 mètres, tournez à gauche. Tournez à gauche. À 400 mètres, tournez à gauche. Tournez à gauche.
s'agit d'un autre... C'est toujours le même film. Apparemment, ils ont essayé de faire la scène en image de synthèse, mais le résultat était nul. Tu vas donc la faire en vrai. À 200 mètres, tournez à gauche. Tournez à gauche. Bien, c'est ici. C'est pas évident. Il faut franchir la rivière en sautant. Il y a plein de rochers. Concentre-toi bien et prends suffisamment de vitesse. Oublie la rivière, oublie les rochers. Concentre-toi sur ta vitesse et la rampe. À mon avis, tu dois arriver à au moins 160 km/h pour atteindre l'autre rive. Un saut en voiture raté, ça fait mal, crois-moi. Mais on a renforcé la suspension et le harnais 5 points te protégera. On a fait tout ce qu'on pouvait pour toi. Bonne chance, gamin. On y va! Scène 67, saut de la chute d'eau. Action! Vitesse, stabilité et hauteur. Tu peux y arriver, gamin. Et coupé! Ça va, gamin? Bien sûr que ça va. Pourquoi je demande? Je me suis pas inquiété une seule seconde. Merci d'être passé. Il faut qu'on retourne une scène. C'est le vrai Franky Beaumont qui a fait la première prise et le résultat n'était pas vraiment à la hauteur. Non, ce qu'il nous faut, c'est un cascadeur professionnel, hein? Rends-toi au village. Tu pourras te faire la main sur la voiture en chemin. Je te suis, t'en fais pas. On se voit là-bas. À 400 mètres, tournez à droite. Tournez à droite. À 400 mètres, tournez à droite. Tournez à droite. De retour à Broadway. À croire que les villages anglais sont à la mode dans les films en ce moment. Bien, fais quelques étirements et on pourra y aller. Bon, Franky n'est pas chaud pour les cascades un peu trop risquées. Il dit que ça colle pas avec le personnage. Ces acteurs tous les mêmes. Mais toi, tu vas écraser l'accélérateur et tout fracasser à coups de dérapage et de glissade. Pas vrai? Parfaitement. On choisira les meilleurs passages après. Ok, scène 82. Course poursuite dans le village. Action! Thank you.
82, course poursuite dans le village. Action! Quel génie cinématographique! C'est parfait! Je vais envoyer les images directement à la réalisatrice. Même si aucune d'elles n'est utilisée pour le montage, tu nous as fait une belle démonstration dans le village. Content de te revoir. J'ai parlé au réalisateur du film de Francky Beaumont et... je crois qu'il prépare de nouvelles cascades juste pour toi, si tu es partant. J'ai déjà dit que ça t'intéresserait. Super. Bon, ça se passe sur un circuit routier. C'est pas tout près. Alors, prends la voiture qu'on utilisera pour la cascade. Mais ne la cabosse pas, ou le directeur artistique me tuera. C'est là-haut, dans les montagnes. Je t'en trouve là-bas. We'll be right back.
Sommet du monde, hein? Profites-en, tu redescendras très très vite. Oh, j'allais oublier, tu doubles le méchant cette fois. Tout le monde adore les méchants, pas vrai? Tu es censé préparer ton plan diabolique au sommet de cette montagne, ou quelque chose comme ça, mais peu importe. Tout ce que tu as à faire, c'est descendre aussi vite que possible. C'est bon? Bien. 7-14-1, descente à fond les ballons. Action! Quitte la route! Fais gaffe aux falaises! Prépare-toi à décoller! Comment tu trouves le paysage? On a mis des caméras sur le viaduc, alors garde le contrôle en descendant cette pente. Cette maison, c'est ta base secrète. Je sais pas. Conduis juste comme un méchant. Tu t'en sors à merveille. C'est bon. Très bon, même. J'ignore si ça colle avec l'histoire, mais le film a un vrai méchant, maintenant. Qu'est-ce que tu en dis? They do on television, but you know that's
Hey, te voilà. On fait une petite pause sur le film de Francky Beaumont. Je me disais que tu pourrais m'aider sur un petit projet de court-métrage que je réalise, à Édimbourg. On fait une course jusqu'à là-bas? Non, non, je blague. Je suis trop vieux pour ça. Tu as vu le film de Claude Lelouch, C'était un rendez-vous? Tu sais, le cinéma d'auteur, ce n'est pas trop mon truc, mais il s'agit de la plus célèbre traversée de Paris qu'on ait jamais filmée. Elle dure seulement 8 minutes. À 400 mètres, tournez à gauche. Tournez à gauche. À 400 mètres, tournez à droite. Tournez à droite. À 200 mètres, tournez à gauche. Tournez à gauche. Prenez la deuxième sortie. À 400 mètres, tournez à droite. Tournez à droite. Au rond-point, prenez la deuxième sortie. Un hommage. Sauf que j'ai choisi la plus belle des capitales d'Europe. Qu'est-ce que tu en dis? Bien, le parcours est prêt. Les caméras sont sur la voiture. Il ne te reste plus qu'à foncer. Dans cette voiture, une sorte de référence française avec ce qu'il faut sous le capot. Vitesse et précision, c'est ce qu'on cherche. Rendez-vous à Édimbourg, réalisé par Mike Steele. Action! Maintenant, pied au plancher le long du Royal Mail.
franchis North Bridge, puis tourne à droite pour entrer dans Newtown. Street, le long des jardins. Allez, plein gaz! Maintenant, sors de la ville! Sans percuter un tram, s'il te plaît. Je t'inviterai à la première, gamin. Mais ne dis à personne que c'est toi qui pilotais, d'accord? Ce sera notre secret. Tu commences à te faire un nom dans le métier. J'ai bien fait de partager tes exploits. Maintenant, ils veulent qu'on tourne une publicité pour une voiture. Tu as déjà tourné dans une pub? Ça rapporte bien, mais ça peut devenir ennuyeux. C'est pour ça qu'il faut le prendre à la rigolade. Attends, tu comprendras ce que je veux dire. Prends ta voiture et rejoins-moi sur le tournage. Je t'expliquerai. À 400 mètres, tournez à gauche. Tournez à gauche. À 400 mètres, tournez à gauche. Tournez à gauche. À 400 mètres, tournez à gauche.
à gauche. À 200 mètres, tournez à droite. Tournez à droite. À 200 mètres, tournez à droite. Tournez à droite. Bien, tout est prêt, il fait beau, on y va. Donc, pour résumer, c'est une citadine pratique. Économe, facile à garer, tu vois le topo. Tout ça, c'est bien beau, mais est-ce que tu pourrais la garer sur un conteneur? T'en fais pas, ils sont emballés par l'idée. Enfin, ils le seront quand je leur en parlerai et que je leur montrerai les images. C'est parti! Ok, pub où on grimpe sur un conteneur. Prise une, action! Si avec ça, ils ne vendent pas des citadines pratiques, je n'y comprends plus rien. Mon petit court-métrage aidé à bourgeois a fait quelques vagues. Apparemment, la ville n'est pas fan du cinéma vérité. Il faut obtenir des autorisations. Mais, bon, je ne leur ai pas dit que Joël et toi étiez là pour arrondir les angles. Donc, revenons à notre projet cinématographique, d'accord? J'ai besoin que tu conduis cet engin jusqu'au tunnel de l'autoroute du Sud. L'équipe chargée des cascades est en place. Je te rejoins d'ici peu. À 400 mètres, tournez à droite. Tournez à droite. À 400 mètres, tournez à gauche. Tournez à gauche. Prenez la deuxième sortie. Faites demi-tour dès que possible. On y est. La mise en place a été très compliquée. Les gars ont travaillé jour et nuit. Mais je sais que tu peux y arriver. Je dis ça juste comme ça.
Tu te souviens que je t'avais dit qu'on utiliserait des images de synthèse? Oublie. On a plein de barrages, de tunnels et de sauts. Reste bien concentré. Si le pilotage est réel, le reste ne compte pas. Ok. Scène 79A. Destruction de barrage. Action! La route est sécurisée, mais fais en sorte que ça ait l'air dangereux, d'accord? Lâche-toi sur les dérapages. Pas mal. Maintenant, fonce par là. Il y a une rampe au niveau du pont. Saute dessus. Ferai-toi un chemin à travers les débris de l'autre côté. Mais pense à lever la tête, quand même. Le tunnel est jonché de gros obstacles. Suis la route et fais de belles embardées à l'intérieur. Fais gaffe, tu croiseras d'autres gros obstacles. Maintenant, franchis le dernier barrage et saute! Joli! Même si ce film ne tient pas vraiment la route, je pense que les gens iront le voir pour tes cascades. C'est peut-être tout ce qui les intéresse. Le tournage du film de Frankie Beaumont reprend. Les producteurs m'ont dit qu'ils avaient presque terminé d'ajouter les scènes de cascade. Maintenant que tu es là, je leur ai dit qu'ils pouvaient en avoir autant qu'ils voulaient. La route passe juste au sud du Lake District. J'ai l'impression qu'on part à la campagne ce coup-ci. L'équipe chargée des cascades et le véhicule sont sur place. On se voit là-bas. Mètres, tournez à droite. À droite. À 400 mètres, tournez à droite. Tournez à droite.
400 mètres, prenez le virage serré à gauche. Charmant! Je comprends pourquoi ils ont choisi ce lieu pour le tournage. J'ai pensé que les réalisateurs voulaient tourner une scène chargée d'émotions. Tu sais, paysages somptueux, musique qui s'intensifie, et cette route qui longe le Derwentwater est magnifique. Alors, tu vas piloter ça. Et moi, c'est cette puissance et cette suspension qui me donnent de l'émotion. Pas toi ? C'est parti ! Scène 48A, pointe de vitesse ! Action ! On arrive sur un terrain accidenté. Quitte la route s'il le faut. Pas complètement. Tu peux faire mieux que ça. À 200 mètres, tournez à droite. Tournez à droite. Décoller ces quatre roues du sol. Fais des embardées pour les caméras, mais attention à ces arbres. Oui, voilà ce que je veux voir. Génial. À 400 mètres, tournez à droite. Encore un peu de terrain accidenté et c'est fini. C'est peut-être une métaphore à propos des personnages du film, je ne sais pas. À 100 mètres, vous arriverez à destination. Remarquable! J'aimerais bien voir le vrai Frankie Beaumont piloter comme ça. C'est sur toi qui devrais faire le film, gamin. Très bien, gamin, c'est la fin. Ta dernière scène de doublure pour Frankie Beaumont, l'apogée du film après des mois de tournage.
Enfin, en supposant qu'ils n'écrivent pas une autre fin. Mais peu importe, on met le paquet sur ce coup-là. Tu es avec moi ? L'équipe chargée des cascades est en place près de la vieille piste d'atterrissage. Tu peux prendre le véhicule, mais comme d'habitude, veille à ne pas l'égratigner. À 400 mètres, tournez à droite. Tournez à droite. À 400 mètres, tournez à gauche. Tournez à gauche. Prenez la deuxième sortie. Faites demi-tour dès que possible. Les derniers préparatifs en ce moment. On a une série de trois sauts par-dessus les wagons. Tu dois conserver ta trajectoire et ta vitesse. Tu es un cascadeur professionnel maintenant. Écoute, honnêtement, je sais pas si tu es le héros ou le méchant, ni même de quoi parle ce film. Une chose est sûre, c'est un plaisir de te voir piloter. Bonne chance. Scène 99A, affrontement ferroviaire. Action! Fonce directement vers la première rampe. C'est ce que dit le scénario. Bah, on se moque du scénario. À 400 mètres, prenez le virage serré à gauche. Prenez le virage serré à gauche. À 400 mètres, tournez à gauche. Tournez à gauche. Reste sur la route en prenant ce virage. Tu vas avoir besoin de vitesse pour le prochain saut. Le prochain saut approche. N'oublie pas, tant que tu retombes sur tes roues, le saut est réussi. À 400 mètres, tournez à droite. Dernier virage,
Si tu veux couper à travers champ, fais-le, mais fais-le vite. À 100 mètres, tournez à droite. Dernier saut, c'est le plus important. À toi de voir si tu veux prendre de la hauteur ou pas. Et si tu veux réaliser une vrille. Couper. Wow. Oh. Oh, j'aurais jamais pensé dire ça, gamin, mais j'aurais pas fait mieux moi-même. Merci. Oh, et j'ai parlé au réalisateur. Tu serais prêt à prendre des cours de comédie? On dirait qu'il préfère travailler avec toi qu'avec Francky Beaumont. Apparemment, Mike a été impressionné par ton talent. Et crois-moi, c'est pas quelqu'un qui se laisse facilement impressionner. Je te fais signe dès que j'ai du nouveau. Destination. Le cottage de Kingfisher. Tu ne trouveras pas plus calme. Cette maison est inscrite au patrimoine national, alors tu peux oublier l'antenne satellite ou le terrain de basket. Profite. Mais comme je te l'ai dit, fais gaffe. Ne va pas te mettre les types du patrimoine national à dos.